Good morgen. Allez, Idan Notus Roi, aujourd'hui, Elo Nishmat, Ava Mordechai, Ben Yitzhak, Befani David, Ben Fortu, Abazal Fritna, et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, perfecte de 5 minutes éternelles, nous étudions aujourd'hui, Maseret Nedarim, Parikbet, Mishnah Aleph. Ve Elo Mutarin, Chulin Sheochal Lach, Kivsar Chazir, Kavodazara, Keorot Levovin, Kenevelot, Ketrefot, Kishkatsim, Kirvasim, Kachalat Aaron, Vechitrumato, Mutar. האומר לאשתו, הרי את עליי כאימא, פותחים לו פתח ממקום אחר, שלא יקל ראשו לכך. קונם שאיני ישן, שאיני מדבר, שאיני מהלך, האומר לאשתו, קונם שאיני משמשך. הרי זה בלא יחד דברו, שבועה שאיני ישן, שאיני מדבר, שאיני מהלך, אסור. On commence à traduire la première partie de la Mishnah. On a déjà introduit les notions essentielles pour comprendre toute sa halakhot. Je les répète très rapidement. Dans le faire un neder, prononcer un vœu, s'interdire une chose, be'issour neder, c'est exprimer que je vais considérer telle chose comme si c'était kadosh. D'accord? C'est pas juste je m'interdis une chose, mais je m'interdis une chose parce que je vais la considérer comme si qu'elle était kadosh. C'est pas qu'elle devient kadosh, c'est pas que ça devient un korban. C'est-à-dire, si jamais je me prends ce livre, je veux l'offrir au Beit HaMikdash, le sanctifié qui va devenir kadosh pour le Beit HaMikdash, c'est devenu la propriété du Beit HaMikdash. Si je tire profit, je transgresse un interdit de Me'ila de la Torah. Prononcer un neder, ça signifie que je ne vais pas le donner réellement au Beit HaMikdash, mais je vais me conduire face à lui comme si qu'il appartenait au Beit HaMikdash. D'accord? Par définition, c'est ça faire un neder. Ça implique maintenant une notion qu'on a introduite, que il faut nécessairement, quand tu fais un neder, prononcer un interdit que tu vas comparer à quelque chose qui est kadosh. Entre parenthèses, tu n'es pas obligé d'exprimer que tu vas l'interdire comme quelque chose qui est kadosh, parce que même si tu dis juste j'interdis cette chose-là, alors on va, selon le principe des yadot nedarim, que même si tu n'as pas tout dit, on peut compléter ce qui manque. Mais il y a plus grave que quelqu'un qui dit pas tout, c'est quelqu'un qui dit tout à l'envers, qui dit pas comme il faut. Si toutefois tu vas t'interdire une chose comme je vais m'interdire, cette viande va être interdite à moi comme de la viande de cheval. La viande de cheval, c'est assourd, Nachon. Eh bien, dans ce cas-là, tu interdis cette viande-là comme le cheval, tu l'as pas rendu kadosh. D'accord? Il faut nécessairement l'exprimer par quelque chose que tu peux rendre kadosh, donc ça ne marche pas. C'est le principe de la première partie de notre Mishnah, c'est exactement sur ça. On va énumérer toutes sortes de choses qui ne sont pas interdites à cause de la Gdusha, mais qui sont interdites parce que c'est des choses de la Rime Shabechova, ça s'appelle. D'accord? Les mots que j'ai... On va déjà commencer à traduire la Mishnah, et puis on complétera ensuite. Velu Mutarin, et tels sont les neder qui sont permis parce qu'ils ne sont pas Khalim, ils ne sont pas applicables. Chulin Sheochal Lecha. Bon, là, c'est une évidence, d'accord, élémentaire. Ce sera profane. Ce que je mangeais chez toi, genre, la nourriture de chez toi, je la considère comme profane. Alors bien évidemment, ben c'est profane, t'as le droit de manger. D'accord? Ouais. Pour le moment, c'est clair. C'est une introduction pour nous dire que tout ce qui va se passer, ça a le même principe. Ensuite, kibsar chazir, comme la viande de cochon. Kavodazara, comme la viande de Avodazara. Interdit de tirer profit de la Avodazara, ouais, vous savez. Et ben, malgré tout, t'as dit que ça, ce sera comme la viande de Avodazara. Il n'y a pas d'interdit. Kéorot leuvin. Comme les peaux des... Je ne sais pas comment ça se dit, ça vient du mot lève. Il y avait un usage pour faire la vodazara, de prendre un animal, de lui enlever toute la partie du cœur, là, comme ça, de le prendre, et d'offrir le cœur, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils offraient le gueule. J'ai un doute, est-ce qu'ils offraient le cœur à la vodazara, ou est-ce qu'ils offraient le reste de la bête? En tout cas, l'animal maintenant, s'il y a quelqu'un qui fait la vodazara en retirant son cœur et en l'offrant, eh bien, la viande, elle devient interdite. Tout l'animal qui reste, il devient interdit à en tirer profit, même la peau. Parce que c'est de la ticrovette à vodazara. C'est de l'offrande de la vodazara. On n'a plus rien à en tirer profit. Maintenant, si tu as prononcé un éder en disant que cette chose-là sera interdite à moi comme si c'était de la vodazara, ou encore, kenevelot, ce sera comme des cadavres d'animaux qui sont interdits à consommer, qui est très faute. Comme des animaux auxquels on a fait la shrita, mais qui avait un problème qui n'était pas apte à être consommable. Keshkatsim, kermasim, comme les vermines, la vermine et les rampants.
Kachalat Aaron et Kitrumato, et même si je considère ce pain va être interdit à moi comme la chala du Betami, pas la chala du Betami, la chala qu'on prélève pour donner au Kohanim, on appelle de Aaron, c'est-à-dire tout ce qui revient à Aaron, ou encore Kitrumato, c'est comme la Trouma qu'on offre au Kohanim. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas de la gdusha du Betami Dash, ce ne pas des choses que tu offres au Betami Dash, c'est des choses qui sont imposées d'être de prélever. Et dans ce cas-là, moutard, c'est pour ça que toutes tes comparaisons, ils sont pas bons. Tu n'as pas interdit la chose de cette manière-là. D'accord? C'est clair? Principe dont je reprends maintenant la généralité, c'est que si tu veux exprimer un éder pour interdire une chose, tu dois nécessairement le comparer avec quelque chose qui est kadosh, avec une doucha de batamidash, de korban, et pas des choses qui sont de toute façon interdites par la Torah. Deuxième partie de la Mishnah. À Omer les Ishto, même si c'est encore le même principe, mais cette fois-ci, Omer les Ishto, celui qui dit à sa femme, il s'est fâché avec elle, il en a marre d'elle, elle s'est mal comportée avec lui, elle n'a pas mis assez de sucre dans son café, par exemple. Et donc il nous dit, Area talai keima, tu es comme ma mère. Genre, évidemment, je n'ai pas le droit d'avoir de rapport avec ma mère, donc je la compare, ma femme, à ma mère. Je lui dis que tu. Maintenant. On va interdire les relations avec toi, comme ce que ma mère, elle m'a interdite. Alors la Mishnah me dit, alors en théorie, vous connaissez la règle, vous avez compris la règle, en théorie, le Neder n'est pas actionné, ça ne fonctionne pas, donc il peut continuer à entretenir des rapports avec sa femme sans aucun problème, il n'a pas interdit sa femme. Mais malgré tout, Khamim, ils ont fait un décret que Potrin lo, Petach mimakom acher, on va faire semblant qu'il a fait un Neder, il va falloir lui faire un Petach. Faire un pétard au Neder, vous savez, quelqu'un qui a prononcé un Neder, alors, et qui veut l'annuler, alors, il va chez le Chacham, et on apprendra tout ça, bien évidemment, le Chacham, il va trouver des circonstances où il va réussir à prouver, à affirmer que dans telle et telle circonstance, tu n'étais pas entier au moment où tu as fait le Neder, donc il va permettre le Neder. Le Neder, le Chacham, il a la possibilité de lever le Neder, et donc là, de la même manière aussi, celui qui interdit sa femme en la comparant à sa mère, d'accord ? Eh bien, il faudra qu'elle aille quand même chez le Talmud Chacham pour que le Talmud Chacham va lui trouver un pétard à son éder pour lui, en lui disant « Oui, mais en fait, tu l'as dit quand tu étais à chaud, parce que tu as cru qu'elle n'avait pas mis assez de sucre, mais en fait, tu ne savais pas qu'elle avait fini le sucrier, qu'il n'y avait plus de sucre dans le sucrier, c'est pour ça qu'elle n'a pas mis exactement une cuillère et demie, mais juste une cuillère un quart. » D'accord ? Donc, dans toutes ces situations, malgré tout, on va lui trouver un pétard, on va malgré tout faire la mise en scène de lui lever le néder avec le Chacham. Pourquoi ? Shelo yakel rosho l'écart, pour ne pas qu'il ait la tête légère sur ça, parce qu'il va y avoir un jour, il va dire que, à force de s'énerver avec sa femme et de prononcer des nédarim, même s'ils sont mal dits, il va finir un moment par prononcer un néder bien dit, et il va se dire que j'ai pas besoin d'aller l'annuler, il va entretenir des rapports avec sa femme, et il va transgresser à l'interdit des nédarim. D'accord ? Deuxième partie de la Mishnah. On va toucher à une autre chose, un autre principe qu'on a introduit, mais d'abord je traduis. Konam she'eni yashen, she'eni medaber, she'eni mehaler. Je fais le konam, c'est je prononce un neder, d'accord? C'est un mot pour dire un korban. Je prononce un korban, un konam, c'est un kinoui nedarim. Que je veux pas dormir, je fais le neder que je veux pas dormir. Je fais le neder que je veux pas parler. Je fais le neder que je veux pas marcher. Ou encore, à Omer Nishur, celui qui dit à sa femme, konam she'eni mechamcher, je fais le neder que. Je ne vais pas avoir, je fais le néder que je ne vais pas avoir des rapports avec toi. Et bien, dans tous ces cas de figure, Arezé Belo Yachel Devaro, il est interdit par le lave de la Torah, apparemment, pour expliquer que ce n'est pas exact, mais de Lo Yachel Devaro. Vous savez que celui, dans la paracha de Matot, la Torah nous dit, Kechola Yuzemi Pivia, c'est Belo Yachel Devaro. Chaque fois qu'on prononce un néder, on a l'obligation, une mise à tasser d'accomplir ce qu'on a dit. Et un lave de transgresser ce qu'on a dit. Le Yachel Devaro, il ne profanera pas sa parole. Si tu as parlé, tu es engagé. Et la Mishnah me dit, si tu as prononcé tous ces nédarim, là, les quatre figures, en fait, ouais, Sheini Yashen, Sheini Medaber, Sheini Maler, ou bien Sheini Meshamcher, à sa femme, dans tous ces cas, il est imposé, et il a un interdit sur lui de le Yachel Devaro de ne pas transgresser sa parole. En réalité, concrètement, Minatora, le Neder n'est pas Khal. Pourquoi ? Parce qu'on a expliqué que. On vous a dit que faire le néder, c'est considérer une chose, c'est exprimer un interdit, parce que je vais la considérer comme si c'était un objet kadosh. Ça implique nécessairement qu'un néder, je le prononce en interdisant une chose, mais pas en interdisant une action.
Parce qu'il faut que tu aies quelque chose que tu... Si je dis, je fais une erreur, que je vais pas... que je vais pas respirer. Qu'est-ce que tu as interdit? Qu'est-ce que tu as rendu kadosh? Tu peux faire le néder que tu ne vas pas profiter de l'oxygène. Alors là, il y a de l'oxygène dans la pièce, mais j'ai fait le néder que je ne vais pas profiter de l'oxygène. J'ai rendu l'oxygène comme kadosh. Là, on peut encore entendre qu'il y a un néder. Mais c'est-à-dire, je fais le néder que je ne vais pas manger, je fais le néder que je ne vais pas dormir, je fais le néder que je ne vais pas avoir des rapports. Ou encore, je ne vais pas marcher. C'est quoi? Tu interdis quoi? Qu'est-ce que tu as rendu kadosh? Si tu veux prononcer un néder, tu dois interdire tes pieds, que tu ne vas pas marcher. Ta bouche que tu veux qu'elle va pas parler, donc tu as rendu ta bouche kadosh que tu vas pas l'utiliser pour parler, ou tu as rendu tes yeux kadosh que tu vas pas les utiliser pour les fermer pour faire un néder. Il faut quand même que le néder il soit applicable sur un objet pour dire qu'il y a un interdit. Et donc, dans tous ces cas de figure, minatora il n'y a pas de néder, d'accord. Maintenant, malgré tout, Rabbim ont décrété que tout néder mal prononcé enjoint ce que tu n'as pas interdit un objet mais tu as interdit une action. On décrète un interdit comme le tour est un interdit de l'Ur al-Devaro, mais des rabbins en réalité. D'accord? Il y a un point aussi important sur la femme, mais peut-être non, on va l'introduire déjà dès maintenant. Il y a. Je finis la Mishnah et je reviens dessus. D'accord? Après, je continue la Mishnah. Par contre, si elle a dit je vois Sheni Hashen, Sheni Medaber, Sheni Mealer, Assur, si elle a dit je jure que je ne vais pas dormir, je jure que je ne vais pas parler, je jure que je ne vais pas marcher. Alors dans tous ces cas, il est interdit par sa Shvoua. Cette fois-ci, on n'est plus dans les Nédarim. Et d'ailleurs, la prochaine Mishnah nous mettra bien l'accent sur ça. Mais déjà, on commence à l'introduire. Le Néder, on interdit un objet. La Shvoua, on interdit une action. De ce fait, si tu veux t'interdire, tu fais un Néder que tu ne vas pas dormir, on a dit que ça n'a pas de sens. Il faut que tu fasses un Néder sur tes yeux qui ne vont pas se fermer. Donc tu ne vas pas les fermer pour dormir. Donc tu ne vas pas les utiliser pour dormir, on va dire. Mais par contre, si je prononce un serment, alors un serment, une Shvoua, alors c'est spécifiquement quand tu interdis une action. Et donc si tu dis je jure que je ne vais pas manger, je jure que je ne vais pas dormir, je ne vais pas parler, alors là tu es imposé par ton Shvoua. Précision, pardon, du Rambam ici. Excusez-moi. Une précision importante de la Gemara, qui est rapportée ici dans le Bartanois, dans le Rambam, qui explique que. Il faut nécessairement, vous savez qu'un homme, il ne peut pas rester 3 jours sans dormir du tout. S'il reste 3 jours sans dormir, sans fermer les yeux du tout, il meurt. D'accord? Maintenant, selon ce principe, il y a, lorsqu'il dit que je jure que je ne vais pas dormir, et donc il est imposé par son éder, sa condition qu'il a précisé qu'il ne va pas dormir pendant jusqu'à 3 jours. Par contre, s'il a dit que je jure que je ne vais pas dormir pendant 4 jours, alors il a prononcé a priori un éder qui est impossible de réaliser. Et de ce fait, ça s'appelle un néder de joie de chave. Et en l'occurrence, le néder n'est pas khal. On le frappe tout de suite, il a transgressé un interdit. Dans les nédarim, on aura peut-être l'occasion de le développer un peu plus. Les nédarim, il y a deux sortes d'interdits de nédarim. Il y a des nédarim, des jouottes. Il y a des jouottes que tu interdis de faire une action, donc tu es imposé par ta parole. Il y a ce qu'on appelle des joies de chave, que tu as juré en vain pour des bêtises. Ça, c'est un autre interdit. Donc, quelqu'un qui fait le néder qui va pas dormir pendant 4 jours. Qui fait la joie, qui ne va pas dormir pendant 4 jours, eh bien, il fait la joie de qui ne va pas dormir pendant 4 jours, la joie n'a pas d'emprise, il a quand même transgressé l'interdit de jurer joie de chien, d'accord? Désolé, je suis un peu perturbé aujourd'hui, entre les crampes et les éternuements, désolé, c'est pas grave, j'espère que vous avez compris le cours. Il y a un point important que je reviens un petit peu en arrière, qu'on redécouvrira un peu plus dans la prochaine Mishnah, mais déjà, comme c'est une nouvelle notion, il vaut mieux la répéter 2 fois, comme ça, avec le temps, ça rentre. Il y a un. Vous savez que je ne peux pas faire un éder que je vous interdis de manger votre sandwich. Je n'ai pas de possibilité de dire que ton sandwich, je te l'interdis à toi. Je peux prendre ton sandwich, je le considère comme, pour moi, comme un interdit. Ou bien mon sandwich, je peux le considérer comme kadosh pour toi. Mais je ne peux pas, ton sandwich, l'interdire sur toi. Je n'ai pas le droit. J'ai pas d'emprise. J'ai pas le droit, pas dans le sens de. J'ai pas de c'est pas dans mon pouvoir de le faire, de te dire une chose qui t'appartient à toi. Selon ce principe, imagine une situation maintenant où je suis imposé de vous faire quelque chose de toute façon. En l'occurrence, un mari, il a l'obligation d'entretenir des rapports avec sa femme quand sa femme le réclame, quand elle le désire. Elle réclame, elle peut le réclamer. Mais quand elle le désire, le mari, il a l'obligation, il l'a engagé. Donc ça veut dire quoi? Que dans ce cas-là, qui va faire un éder d'interdire le tashmish à sa femme. C'est pas possible. Parce qu'il
s'il a imposé, si j'ai, imaginez, ma femme, elle a l'obligation de me faire certains travaux. D'accord? Dans la Tnaï Ktouva, on a fait une Ktouva il n'y a pas longtemps, on a vu qu'une femme elle a l'obligation de faire certaines choses. Elle ne peut pas dire je m'interdis de faire ce qu'elle doit me faire. Parce qu'elle n'est pas propriétaire de ce qu'elle doit me faire. C'est moi le propriétaire, elle. Ça m'appartient. J'ai un droit sur elle qu'elle doit faire cette chose-là. Même principe, le mari il a aussi un devoir envers sa femme, il ne peut pas interdire son devoir à sa femme. Alors dans ce cas-là, il va falloir, suite à ça, alors la Gemara explique qu'en fait, quand il dit qu'il interdit le tashmish à sa femme, c'est pas qu'il dit qu'il interdit le tashmish à sa femme, mais c'est qu'il interdit. Parce que je peux pas interdire que à ma femme, tu ne profiteras pas de moi. Je suis obligé de donner ce profit, je ne peux pas lui interdire le profit. Mais ce que je peux faire, c'est plus vicieux. Je peux m'interdire à moi de profiter d'elle, parce que moi, je n'ai pas d'obligation de profiter d'elle. J'ai l'obligation de lui donner le profit. Mais j'ai pas j'ai pas aucune, alors, aucun devoir, elle, de me donner ce profit. Et j'ai pas de. D'accord? Et selon ce principe, pour que je puisse interdire le tashmish avec la femme, il faut que j'interdise en fait que moi je veux pas profiter de toi. Je peux pas t'interdire toi de profiter de moi, parce que moi je suis obligé de te donner ce profit. Mais je m'interdis le profit de toi à moi. De ce fait, maintenant que je peux plus tirer profit d'elle, je peux plus parce que je l'ai interdite, alors Rami vont dire, bah, tu sais quoi, bah, concrètement, tu as réussi à interdire le rapport de la sorte. Vous avez compris l'idée? Ouais? Je reprends. Ce que je suis imposé de vous donner, j'ai pas le droit de m'interdire. Mais ce que je peux faire, c'est d'interdire que quand je vous le donne, moi je tire un profit. Ce profit-là, je peux me l'interdire parce que je suis pas imposé de le prendre. Quand je vais m'interdire ce profit, il s'avère que maintenant je peux plus accomplir l'action. Et en l'occurrence, eh ben on va plus, je vais réussir par là à interdire l'action elle-même. D'accord? On reprendra ça, Bezrat Hashem, dans la prochaine Mishnah. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.